My boy, Wutani, Adina Bedumbe, Naneli Nadani, Aidaram Badani, Dumkam Yodani, Dumkam Fewani, Lazenes Nafipa, Get a Zenes of Kokonanga Kippa, Get a Zenes there for Kippite, Zenes of Topita, Topita, Zenes of Nanga Biche. Benjamin Teki, Marc, qui est donc un artiste que nous avons déjà reçu sur Kasataya. Alors, Marc, le groupe est en France, enfin en Belgique, pardon, parce que nous sommes en Belgique, Kasataya s'est déplacé en Belgique, donc à Bruxelles, pour couvrir la manifestation des Mauritaniens qui protestent contre l'enrôlement des populations de Mauritanie. Vous êtes là, vous êtes venu avant tout pour la musique, je suppose. Alors, c'est quoi l'actualité de Djamin Teki? Nous, on a quitté Mauritanie depuis le 3 juillet. C'est pour rencontrer les fans de Djamin Teki qui se trouvent à l'étranger. Là, on a commencé par l'Allemagne, après on a commencé par Strasbourg. Là, en Belgique, on a joué un concert le 23. Après le Ramadan, on va aller à Paris rencontrer aussi les fans de la communauté mauritanienne et surtout Al-Pula. Après, on va aller aussi en Hollande. Donc, on est là pour une tournée pour promouvoir la culture mauritanienne et promouvoir la musique mauritanienne. Et c'est une tournée qui a été organisée par qui? Par nous-mêmes, nos propres moyens. Aucune aide, aucun financement, ni de l'État mauritanien, ni du centre culturel français, rien du tout. Personne, même administration, que ce soit invitation, personne. Tout a été fait par nous. Parce qu'on a compris une chose, la musique mauritanienne n'est pas structurée pour que les groupes mauritaniens qu'ils aient des tourneurs comme ça se passe dans le monde entier. Quand tu es un artiste, tu dois avoir un tourneur. Donc on est venu l'année passée, on a compris plein de trucs cette année. On est venu par nos propres moyens, par le district de Djamin Teki. Donc on est là, on appelle des associations dans le diaspora pour les dire qu'on est là. Est-ce qu'ils ne voudraient pas faire quelque chose avec nous parce qu'on n'a pas aussi les moyens pour louer les salles. Et justement, comment vous organisez pour cela? Les salles, vous les obtenez comment? C'est qui se porte garant? Les cautions, l'assurance et tout, vous faites comment? Là, on se met en contact avec les associations. Parce que juste avant de venir, moi, j'ai appelé pas mal d'associations en Europe pour qu'ils s'organisent et qu'on organise des trucs. Donc les gens, peut-être qu'ils ne croyaient pas. Ça c'était avant même de partir juste de venir. Donc j'ai contacté des gens, ils n'étaient pas dans, peut-être qu'ils n'ont pas pris à ça, ou peut-être qu'ils n'avaient pas le temps aussi pour ça. Mais qui après, on a utilisé ça, on est là pour les associations, on est là pour tout celui qui veut organiser quelque chose avec nous. Et qui sont vos contacts ici? Avec qui travaillez-vous? C'est juste des Mauritaniens ou est-ce qu'il y a aussi des professionnels belges? Vous avez rencontré des gens ici, des Belges? Ouais, on a rencontré juste un producteur qui nous a passé, à qui on a parlé. Là, on va se revoir après le Ramadan pour voir ce qu'on va faire. Parce que aussi, pendant notre séjour, on voulait aussi en profiter pour faire le troisième album de Djamin Teki qui s'appelle Gwang International. Donc, Gwang, tu veux dire la vérité internationale. C'est mieux savoir ce qui se passe aussi dans les pays occidentaux pour aussi parler des problèmes des négros, mauritaniens, africains, des problèmes qu'ils ont en Europe. Parler de ça et parler de la politique européenne aussi. Donc c'est pour ça qu'on a dit Gwang International. Et quand on dit international, c'est une autre vision. C'est pas par rapport à Gwang du premier album et Gwang du deuxième album. Quand on dit international, c'est pour avoir une ouverture d'esprit, de comprendre plus de trucs. Donc on est venu pour apprendre et pour écrire pour le troisième album. Donc toujours la même intonation, engagée. Tout le temps. S'il n'y a plus d'engagement, on laisse la musique. Ah bon, donc pour vous la musique c'est l'engagement. C'est
c'est notre concept, c'est ce qui nous a poussé à faire la musique. Donc si ça se retrouve plus en nous, ok. Alors justement, engagement, parlons-en. Vous êtes ici donc à la manifestation des Mauritaniens de Belgique et de France qui protestent contre l'enrôlement. Quelle est votre position sur cette question d'enrôlement en Mauritanie? Vous revenez de Mauritanie, est-ce qu'en Mauritanie on en parle aussi? Est-ce que ça pose problème? Et vous, quel est votre point de vue sur cette question? On était les premières personnes qui ont fait des manifestations contre le recensement. Oui. C'était le 30 juillet. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que nous, on fait partie des artistes mauritaniens engagés. Donc tout ce qui est anormal en Mauritanie, le monde doit avoir notre position. On a vu des gens qui sont partis pour se recenser. Ils n'ont pas eu la chance de se recenser parce qu'on dit qu'ils sont étrangers ou ils ont une mère sénégalaise. On les dit aussi de lire le Coran et tout. Donc on a trouvé que c'est injustice. C'est l'injustice. On est parti pour le 30, là où Abdelaziz s'est recensé. C'est au 5e. Oui. On a demandé, il s'est recensé avec sa pièce d'identité. Et pourquoi les autres ne font pas comme lui? Il est président. Même s'il est président, quand il s'agit de recensement, il n'est plus président, il est citoyen. Avant d'être président, il est citoyen. Et c'est être citoyen qui l'a poussé à être aussi président. Donc c'est ce qui nous a poussé à faire cette manifestation. Donc le 3, on a voyagé, on a vu qu'en France aussi, les gens, ça a bougé. Et derrière nous, on a vu chaque jeudi, les gens ils continuent à faire des manifestations. Chaque fois qu'on voit dans le net, on voit ça prend de plus en plus de l'ampleur. Comme ça se passe aujourd'hui ici aussi. Bien sûr. Et là, vous, il y a eu une information qui a filtré, qui a été publiée sur les sites mauritaniens il n'y a pas longtemps, qui faisait état d'une demande de d'asile politique qui a été introduite par les membres du groupe Djamin Teki ici en Belgique. Qu'en est-il? Sincèrement, moi je dis que le journaliste il n'a pas trop compris. Peut-être, je ne sais pas, c'est la Mauritanie quoi, les gens. Est-ce que vous avez discuté avec un journaliste déjà? Vous avez On n'a jamais parlé avec ce journaliste. On n'a jamais parlé avec lui. Et il n'a même pas. Il a aucun pour dire qu'on a déposé l'asile. On est là pour la culture mauritanienne. On est là pour notre tournée. Si ça nous tente, on est des citoyens comme tout le monde. Si ça nous tente, on sent qu'on doit demander l'asile, on va le faire comme tout le monde. Mais si ça ne nous tente pas, on ne va pas le faire. Et lui, il a eu l'idée de le publier sur le net. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est venu dans la tête. D'abord, c'est trop dangereux de dénoncer des gens demandeurs d'asile. Et surtout, un groupe tel que Djamin Teki, engagé, où nos parents même ont perdu leur travail à cause de notre engagement. Mais aussi, alors, Djamin Teki, donc dément, vous n'avez pas demandé asile en Belgique. Non. Est-ce qu'il en est question ou pas? Vous n'en parlez pas pour le moment. En tout cas, on n'a pas encore demandé l'asile. Et si ça nous tente de le faire, on va. Ça se saura. Et de toutes les façons, votre engagement aujourd'hui, c'est toujours en Mauritanie que vous le voyez pour le moment. Vous restez engagé pour les sujets qui concernent la Mauritanie, qui concernent la cohabitation et toutes les questions pour lesquelles vous êtes engagé jusqu'ici. C'est comme je te l'ai dit, l'engagement, c'est en nous. On ça fait né. Partie de votre... On est né comme ça. On voit qu'il y a d'injustice en Mauritanie. On n'a pas de force, on n'a pas d'armes. Pour nous, c'est juste qu'il faut passer par la musique pour dénoncer ça. Donc si cet engagement n'est plus en nous, on va aller faire du miniserie ou du tapisserie. Très bien. On va laisser la musique parce qu'on... Enfin, comme on a l'habitude de le dire, les gens n'ont pas le temps d'écouter autre chose qui ne parle pas de leur colère, qui ne parle pas de leur problème. Alors Mar, dis-moi, donc pour finir quand même en beauté sur la musique, est-ce que le public a répondu ici à vos concerts, le premier concert? Et c'est quel type de public? Est-ce que c'est un public connaisseur? C'est des Mauritaniens ou est-ce que les Belges aussi ont répondu? Sincèrement, on était très émus. Parce que il n'y a pas plus beau dans la vie quand on est artiste. De chanter et les gens chanter chansons, ça te voit que tu marches. Donc, ça se voit que tu es connaisseur. Ça se voit que tu es écouté. Ça m'a,
ça m'a plus touché l'année passée. On était en France, on a joué à Mantes-la-Jolie. On chantait Mauritanie. Devant moi, je voyais des Blancs, des petits Blancs, qui chantaient Mauritanie aussi. Quoi. D'accord. Tu dis, non. Ça m'a touché. Ça a dépassé le cadre de la Mauritanie. Ouais. C'est pareil. Je viens en Belgique, je fais des concerts où des Alcoulards sont mariés avec des Blancs. Je suis sur scène, je les vois chanter Wawa, One Day et consorts. J'ai dit, Alhamdoulilah, parce que nous, on n'a que ça. Il n'y a que les Mauritaniens, il n'y a que le diaspora qui peut imposer sa culture. Très bien. Écouter ça aux gens, imposer ça aux gens, parce qu'il n'y a pas plus beau dans la vie que de voir une autre ethnie ou une autre race chanter les chansons de Babou Marre, de Mouti, d'Ousmane Grimbe. C'est la fierté de la communauté. Donc la suite, la France, l'Allemagne? On est passé par l'Allemagne. D'accord, vous avez déjà fait l'Allemagne. Strasbourg, oui. Là, la Belgique. Après le Ramadan, on va aller en France et après on va aller en Hollande. Inch'Allah. Un dernier mot, Marc. Quel est le dernier mot que vous avez envie d'adresser aux Mauritaniens, au public, à ceux qui vous suivent, aux téléspectateurs, enfin à ceux qui vous suivent sur Kassataya? Ce que j'ai vraiment envie de dire, qu'il ne faut jamais se laisser faire. On est noir, on est Mauritanien. On est pauvre, on est Mauritanien. Même si on nous frappe, on nous tue, mais il y a une chose qui va toujours rester en nous. C'est ce qu'on est Mauritanien. Personne ne peut nous empêcher ça. On est né dans des quartiers les plus périphériques du monde, mais c'est une fierté pour nous parce qu'on est Mauritanien. Le vert, jaune, rouge, on le partage avec tout le monde si vraiment ils veulent le partager avec le nous. Rouge pas encore, mais non, astaghfirullah, le vert, jaune, on le partage avec tout le monde. On ne peut pas avoir mieux que chez nous. Il y a des gens qui sont là en Belgique, ils sont bien et tout, mais quand on a parlé de manifestation, ils sont tous là. Ça se voit que personne ne peut avoir plus que sa nationalité. Merci. Donc Mar de Jam Minteki reste plus que jamais. Pourquoi pas jeunesse oh? Huma lium, huma sop, huma nhar ma huyon. Fuck beto pite, mi hala gongo dande do. Mouadi, mouadina, hayo shui ma hu kevina. Madrasa mouchtet fasa kut. Chene sono wurdat ben et millionaji ne dok yusundur. Chene sono wurdat mine gidiraban foko chômage min kodi. Chene sono wurdat no ak chot société jingo adani te nyal fo kaliska nan do boni.